to save the secretary. Yes, and we found and killed one of Mr. 47's accomplices. He wasn't alone. No. They communicated by radio. What bothered us was the autopsy of the second assassin. He was a Class 2 clone. Class 2? Fully functioning human clones, accelerated to adulthood. But they tend to die within 18 months of maturity. Tell me, just how widespread is this human clone? We can't know for sure, but I'm sure we'll see thousands within a few years. Why? Because of your jackalope president! He wants it legalized! Imagine that. The most insidious weapon the world has ever seen. And he wants to legalize it! But the public... The public is an ass! Cloning is the ultimate weapon of mass destruction. It's a terrorist wet dream. But most Americans still support cloning, and hopefully, this interview will change a few minds. Maybe it'd help if they knew it was 47 that killed Chad Bingham's son. What? We even had our best agent on the spot. We were ready. Good to hear your voice again, 47. We got worried when you didn't get back to us. It was just a little thing requiring my attention. We've got an extremely delicate mission for you, if you're interested. Mm-hmm. Always interested. Just send me the briefing. Bonjour, 47. Votre prochaine mission a lieu dans les Rocheuses. Le sénateur Bingham est victime d'un chantage. Le roi du porno, Lorne de Havilland, détient une vidéo compromettante du fils du sénateur, Chad. Dans cette vidéo, Chad se montre beaucoup trop entreprenant avec une danseuse. C'était à l'occasion d'un show sexuel dans l'une des boîtes de nuit pour adultes de Havilland. La fille n'a pas survécu à leur rencontre. Le sénateur Bingham est engagé dans une campagne de réélection très serrée. Ok, on va récupérer le silencieux. Son siège, comme une autre incartade de son fils. Notre client veut que Havilland et Chad soient éliminés. Il veut aussi récupérer la vidéo. Le client s'est assuré que Chad assistera à la fête annuelle que le roi du porno organise dans sa propriété à la montagne. Nous avons un portrait récent de Chad, mais Havilland n'aime pas les téléobjectifs et notre photo la plus récente remonte à 10 ans. Ce ne sera pas facile, 47. La propriété n'est pas extrêmement bien protégée, mais la sécurité sera importante dans le complexe. Ok, bah, Lord de Havilland et Chad Bingham, ok. Ok, on a été filmé. Ok, on grimpe vite par la trappe. Et on étrangle vite fait avant qu'on soit se remarquer. Allez, hop, ni vu ni connu. Je peux prendre le costume d'un des invités. Ça vous donnera... Ok, on va prendre l'aphrodisiaque. J'aurais rien contre l'idée de t'effeuiller sous l'arbre. On rajoute un petit aphrodisiaque, ni vu ni connu. Ça, ça doit être le bar. Ok. Oh, il est torché, lui. Levure de trou. Alors, est-ce que je tente le jeu de l'extrême? Oh putain, non, c'est passé. Bah dis donc, il se passe de drôles de choses dans ce pays, hein. Chez l'autre, tu me diras. En fait, on va se déguiser en Père Noël, allez.
peu le Père Noël, allez. Jingle Bell, Jingle Bell. On va piquer les saucisses. Ah, il a grossi le Père Noël. Bon, je pense qu'on va descendre. Hein. En vrai, est-ce que si je tire là, ils vont me voir, c'est sûr. Je vais attendre qu'il se barre. Toujours deux quoi, c'est chiant. S'il y en avait qu'un, je pourrais tirer dans la piscine et faire tout s'effondrer, mais bon. Ça marche pas comme ça. Donc là, c'est pas bon. Quoique, là, est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre de tir? Oh, il pourrait tomber accidentellement, lui. Ah non, il pourra pas tomber, ils sont trois là. C'est un peu chaud. Je vais retourner à la soirée. Et ils sont quatre maintenant. Wow. Ouais, bah quoi, je me promène, je suis un Père Noël, j'ai le droit, non? Ouais, non, je sais ce que tu vas me faire. Ah, bah, le fils du sénateur, pour commencer. Comment ça va, monsieur Bingham, monsieur fils du sénateur? On va rester comme ça. Bon, on est au bon endroit, c'est déjà le plus important. Ok, j'ai balancé une petite pièce de monnaie. Quel étrange bruit. Ok. On retourne à la piscine, c'est ça? Oh, parfait. Et hop, ni vu ni connu. Alors, je vais juste attendre un truc. Coucou. Ah merde, je suis grillé. On a un Père Noël tueur, je répète, on a un Père Noël tueur. On a un Père Noël tueur. What's wrong? Oh, hello there. Bonjour monsieur le photographe, vous allez bien? Ces filles feraient n'importe quoi pour être en couverture d'un magazine, n'importe quoi. Tu peux dire autre chose ou tu t'en fous? Alors, on va faire une petite sédation. Oh merde. Un Père Noël tueur, hein. Décidément, on aura tout vu.
Pas de drôle de choses ici. Mais d'où? Voilà. Ah, elle est pas évidente cette mission. Le moindre truc, c'est alerte. Bon, on était filmé, ok. Bon, si on arrive déjà à faire 4-5 missions, ce serait cool. Il nous reste encore. Je m'en fais au moins 3 encore, voire 4 si j'ai le temps. Il est quelle heure? 22h, ouais, ça va. Bonsoir, monsieur. Même pas moi. Alors toi tu vas me servir. Mais t'es con ou quoi? Je te dis de... Allez, c'est le premier qui bouge, je descends. Putain, ils ont abattu un serveur les mecs, ils ont pas honte. J'aurais dû poser une bombe et tous les attirer. Ah, il y a une troisième team, donc c'est peut-être la nana. Hop. On ne s'est pas fait filmer en plus. Et ça c'est bien, on ne s'est pas fait filmer. Bouya. On se glisse à côté du garde en mode sensu. Et puis... Hop, on va prendre l'aphrodisiaque. On l'ajoute. On s'en va. Donc on peut pas aller par là déjà. Salut. Donc c'est le fils du sénateur, Chan machin. Et je sais pas nager moi. Je sais pas si j'ai le droit d'être là en vrai. On va en profiter. On s'en va. On traîne vite fait, bien fait. Pose le corps, on prend le costume de photographe, on est bien, tout va bien. Je vais discuter un peu, si je peux, non je peux pas. Je peux aller là normalement. C'est quoi cette toilette? Ok. Merci. On va monter au studio, tiens. Autant commencer par là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si je peux passer.
Elle est à la bande. C'est fait, mission accomplie. Donc on a déjà un de nos objectifs, récupérer la cassette. Casse-toi, il t'aura pas d'emmerde. Bon, ok, ça va, ça va. Un grand sourire, bébé. Très grand. Oh, et bouge cette cheville, oui, c'est bien. Et t'auras pas d'emmerde. Ok. Donc, notre cible est au balcon. Je vais attendre qu'il se barre. Il est encore au balcon, c'est une bonne chose. Et le chien. Il n'y a pas de garde. Ok. Le garde, c'est bon. Il faut redescendre au niveau du rez-de-chaussée. Ok, on est pas mal. Du coup, j'en étais où moi? Il est là, lui. Donc là, il est en train de s'amuser, on le laisse se divertir. Alors, elle, il faut que je la batte. Est-ce qu'il m'a vu? Apparemment, oui. J'ai une belle blessure au crâne, je vais me recharger en vie. Parfait. Je vais quand même reprendre ma vie au cas où. Adrénaline, adrénaline, adrénaline. Parfait. Ah, je suis grillé encore. Ah, va chier le jeu. T'es vraiment... Bon, je sais qu'en pro c'est chaud, mais bon. Ah, dommage. On était bien parti, hein. On avait récupéré la cassette, on avait battu l'autre. On était plutôt pas mal. Parce que je regardais un truc. Alors on passe comme ça. Pas pris par des caméras. Déjà ça c'est bon. Première partie, ça c'est fait. Oh, pardon, c'est pas la bonne. On parle au barman.
On met cet aphrodisiaque dans le verre, comme ça. Je suis certain, ça va être chaud bouillant. Ok, première partie accomplie. Il y en a, il est complètement torché, mais c'est génial. Faut pas avoir l'air triste. Au moins, vous n'êtes pas déguisé en... On va prendre le costume de Père Noël. On le traîne. On le fout dans le... dans le congélo, ça c'est bien. Oh, mais t'es fou toi. On va pas, non. On va marquer un couteau de cuisine, on ne sait jamais. Regarde, bon ça va, en vrai. Si t'es pas content, bah fais pas Noël quoi. Salut mon beau. Si le reste, c'est dans la cuisine. Mais vas-y mollo. Hein. Si le reste, c'est dans la cuisine. Ok. Ça veut dire dégage, mais tu me fais pas chier. Nous sommes pile à se rendre. Photographe, c'est bien. Et je vais quand même... Attends. J'ai quand même retourné dans la cuisine. J'ai peut-être un plan pour les saucisses. Je suis parti du staff, monsieur. On va mettre du poison. Hop, ni vu ni connu. On embarque la saucisse. Et voilà. On viendra ici tout à l'heure. Alors, c'est pas le bon coin encore. Je me suis planté. Bon, et l'orientation, ça fait 10. Donc Chad est déjà parti, ça c'est une bonne nouvelle. On peut aller là. Il va fumer, ça c'est une bonne nouvelle. Ça nous permettra de nous débarrasser de lui entre guillemets, bah discrètement. Pour que je me fasse pas remarquer. Et hop,
Bye bye Chad, merci, c'était sympa. Bon, on a eu Chad, ça c'est fait. Il nous reste à voir l'autre, le vieux. Ah, le vieux, vous m'entendez? Donc elle est là. Maintenant, faut prier qu'on se fasse pas repérer. On ferme la porte et on se casse. Deuxième cible éliminée. Enfin, c'était une cible obsédée. C'était une agence, entre guillemets, qui voulait nous tuer. Parce qu'elle savait qui on était. On l'a neutralisé et ça, c'est bien. Oh, j'adorerais que vous refassiez mon book. Allez. Ok, on monte au studio. Ça c'est fait aussi. Non, c'est pas là. Là c'est studio photo. On n'a rien vu. Est-ce qu'il est encore là, vieux? Ouais, il est encore là, bouillard. On pousse. On donne de la saucisse. On fait rien. On récupère la vidéo. Et on se casse. On va redescendre au rez-de-chaussée. Ils m'ont pas repéré quand même. Ouf, non. On va essayer de trouver la cuisine. Il faut se rappeler où est la cuisine. Ah oui, je me souviens, ça y est. Salut Mitrandir, bienvenue à toi, je sais pas si t'as depuis un moment, désolé. Hein. Ouais, tu m'as vu faire un kill sûrement sur l'un des agents, ou peut-être pousser le vieux, une demi-mission. Donc là c'est pas bon. On récupère le costume. Le saint costume. Et on repart. Alors, où est l'ascenseur dans ce bourbier? Il est là. Attends. Ouais, il y a certaines armes, j'aime bien, c'est original. Tu peux même faire du lancer de couteau avec les couteaux de cuisine. T'as des seringues de poison, de sédatifs. J'en ai sédaté quelques-uns pour changer de costume à ma guise, quoi. Mais bon. Donc là, ce sera la deuxième mission qu'on termine. Je sais pas si t'as déjà joué Hitman Blood Money ou un autre Hitman de Mitrandir. Il est bugué l'ascenseur. Ah bah quand même. Je me casse de cette fesse. De cette fête, pardon. Lapsus révélateur. Je me casse de cette fête, c'était moisi. Je rentre chez moi.
il y a une petite astuce. Alors, là, vous voyez, tu vois, là, notre ordinateur, t'as une caméra au-dessus. Mais si je passe à côté du garde comme ça, la caméra ne me filme pas et je peux m'en aller tranquillement. Allez, on s'en va. Moi qui n'ai pas de témoin. Alors, victime totale 2, coup tiré 10, coup encaissé 7, 2 accidents, un tir en pleine tête, un cadavre repéré, aucune couverture perdue, filmé par une caméra, négatif. On était en mode fantôme. On récupère un peu d'argent.